Comment devenir auto-entrepreneur? Comment vérifier si je suis prêt pour m'inscrire? Cette vidéo a pour objectif de vous préparer à réaliser votre démarche de création d'entreprise individuelle. Nous parlerons des principales étapes pour donner une existence légale à votre auto-entreprise, le guichet unique. Toutes les entreprises doivent réaliser leurs formalités en ligne sur le guichet unique à l'adresse suivante. Lors de votre parcours d'immatriculation d'entreprise, vous devrez fournir des documents, faire des choix en rapport avec votre future activité, votre situation personnelle et financière. Les activités exclues et réglementées en auto-entreprise. Il existe des activités réglementées et non réglementées. De plus, certaines activités ne peuvent pas être exercées en tant qu'auto-entrepreneur. Les principales activités exclues du régime de l'auto-entreprise sont les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA, Sécurité sociale agricole, les activités libérales ne relevant pas de la CIPAV ou du régime général, les activités relevant de la TVA immobilière, les activités de location d'immeubles, les activités artistiques avec des droits d'auteur rattachés à la maison des artistes, l'activité de skipper. Concernant les activités réglementées, vous trouverez la liste complète des métiers sur l'annuaire en ligne de l'INPI. Quels sont les documents à transmettre? Les pièces communes à toutes les activités seront vos documents d'identité, votre justificatif de domicile ou un contrat de domiciliation. Pour les commerçants et artisans, vous devrez fournir une déclaration sur l'honneur de non-condamnation et d'information du conjoint, la filiation. Si vous allez exercer une activité réglementée, il sera obligatoire de fournir un justificatif supplémentaire, l'établissement principal de votre entreprise. Vous pourrez la plupart du temps travailler à votre domicile, si vous êtes commerçant ou artisan, et si l'adresse de votre établissement principal passe par une société de domiciliation, vous devrez ajouter la copie du contrat dans les pièces justificatives. Préparez sa formalité de création. Avant de commencer la création d'entreprise, nous vous conseillons, avec cette vidéo à l'appui, de bien définir votre projet et d'avoir à portée de main tous les documents nécessaires pour valider votre dépôt de dossier. Vous êtes maintenant prêt à effectuer votre inscription sur le guichet unique. Nous vous souhaitons un bon lancement dans l'entrepreneuriat.